L'action des bergers, elle s'inscrit dans un processus où malheureusement, pour l'instant, un point d'équilibre n'a pas été trouvé entre les aspirations légitimes des bergers qui veulent pouvoir transhumer de façon normale et les décisions de la commune qui dit « nous voulons fermer cette piste à toute circulation motorisée ». Donc je pense qu'il ne faut pas prendre l'action de façon isolée. Ce qu'il faut prendre, c'est la situation actuelle qui n'est absolument pas satisfaisante, sortir de la logique du déficit de dialogue et surtout mettre en œuvre une solution qui permette un équilibre entre les parties. C'est ce que nous avons cherché à faire. Nous n'avons pas réussi à le construire. Je pense qu'on ne peut pas l'imposer.